Cette semaine, faisons la connaissance de la fille d'Henri Matisse. Vers 1905, Matisse commence à se passionner pour l'art africain. Il s'éloigne alors des canons de beauté de l'art occidental et persiste dans sa démarche fauve initiée l'année précédente à Collioure. Marguerite est âgée de 12 ans en 1906 lorsque son père la représente en aplats de couleurs franches. Les roses et verts modelant le visage en réfutent le réalisme. Les yeux en amande et le teint blanc font signe au masque Fang qu'il a étudié chez son ami de Rhin. Les parties saillantes, pommettes, nez et arcades sourcilières, semblent taillées dans un bois dur et pour cause. Matisse, ayant délaissé le dessin au profit de la couleur, craint de perdre la troisième dimension induite auparavant par les tracés de perspective. L'artiste va alors nouer un dialogue entre peinture et sculpture, cherchant dans le modelage et la taille des signes plastiques créant un effet de volume. La facture de ce tableau en coups de pinceau rapide et sec rend vie à ce visage glacé. L'apparent inachèvement de la toile n'est qu'un stratagème visant à concentrer notre attention sur le portrait. Le reste ne serait qu'anecdotique. Si cette représentation audacieuse n'a pas dû réjouir le petit modèle, elle place alors son auteur à l'avant-garde de la peinture.